Bonjour et bienvenue. Faut boire. Et on est reparti. Je vais pas tout boire parce qu'on a des... On a aussi ça. On est reparti, donc on est en route pour la nouvelle zone. Donc on est reposé à fond. Tout va bien. On a encore des calories, tout ça. Très bien, par contre, j'ai l'impression qu'il y a un temps de merde. Ouais, on a un bon beau temps de merde. Ouais, alors, demi-tour. Excusez-moi, je sais que c'est noir, mais je vais pas allumer la lampe juste pour ça. Ok, on va se mettre là, comme ça il fait chaud. Très bien, je me mets juste devant la porte. Ok, on va devoir attendre que le temps s'améliore un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que... Alors, accommodage, je pourrais... Ah, bah le temps, je crois que ça s'améliore. Bah du coup, on va juste passer 15 minutes. Juste faire ça. Enfin, il s'améliore peut-être pas du tout, le temps. Excusez-moi. C'est un peu embêtant parce que là on était bien parti sur la nouvelle zone. Et là du coup on est un peu bloqué par, par le temps. Alors, on pourrait raccommoder comme j'ai dit, mais on a que 5 morceaux de tissu. Et je voudrais les garder au cas où on doit faire des igloos. J'aurais dû en prendre 10 en fait, morceaux de tissu. Parce qu'on peut, réparer des trucs, vous voyez, on peut réparer quand même des trucs. Donc ça il faudra y penser aussi. Mais ouais, en tout cas, on est en route pour l'aérodrome abandonné. On est sur la deuxième carte. On est sur la deuxième carte. Donc nous, on serait à l'embranchement du lointain. Pour le moment. Et on doit passer le col du transfert et après aérodrome abandonné. Enfin, je pense. Hein, je pense. Ou alors, on peut faire directement à l'aérodrome. Je sais pas du tout. Ouais. Il fait vraiment froid. Ouais, il fait vraiment froid. Hein. Moins 16. Oh. Je pense que ça va être relou ici. Je sens que ça va être relou. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'on fait? Après, je peux toujours faire un feu et tout ça, mais bon. On peut faire un feu, on peut faire un peu d'eau. Faire cuire ça. Mais ouais, non, non. Ce que je voudrais faire un feu. Si on fait un feu, c'est pour faire chauffer des tisanes. Comme ça, on peut partir en fait. Et avec le bonus de chaleur. Après, on peut se faire violence et partir dans le froid, mais bon. Pas vraiment l'idéal. Surtout que c'est pas que froid, c'est tempête, on voit rien. On voit pas grand chose. Ouais. Bon, on va attendre jusqu'à milieu de la journée, au pire. Dormir une heure. On va attendre milieu de journée, on va voir. Si jamais ça s'arrange pas, on va peut-être se faire violence et passer dans le froid. On verra. Ça donne un peu d'eau, c'est pour ça que je le mange. J'ai bien pris le bon. Ouais, oui, l'autre on peut le faire cuire. Ouais. Ça m'embête quand même. Bon, on va faire un feu. On va faire un feu, boire les...
On va se mettre là. Ouais, ouais, non, c'est pur blizzard en fait. C'est pur blizzard. Non, non, non. Enfin, non, même pas. Parce que si je fais un feu, déjà il faudrait balancer tout notre bois. Parce qu'il faut qu'il fasse plus de 14 degrés. Et de 2, je sais pas combien de temps le blizzard va rester. Parce qu'en fait, je veux bien qu'il fasse froid. Mais si c'est un blizzard, non. On va pas y aller en plein blizzard. Parce que déjà, on est dans une nouvelle zone, je connais pas. Donc, on va devoir trouver des endroits en fait pour nous mettre à l'abri. Et trouver les nouvelles zones et tout ça. Donc on va pas sortir en plein blizzard, ça serait complètement con. C'est juste que c'est un peu relou là quand même. Aïe 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 aïe. Là j'ai l'impression de perdre mon temps par contre. Là on perd une demi-journée pour rien pour le moment. Aïe aïe aïe. Ouais. Je crois qu'on va devoir faire de l'eau en fait. Être à court d'eau. T'es sérieux? On va pas passer une journée comme ça ici. Genre là, on va perdre une journée entière? Sans déconner? Ah ouais, non, c'est toujours Blizzard. Ah ouais, non, mais c'est Blizzard puissance 10 en plus. Ah, moins 35, et bah c'est bien. C'est super. C'est terrible, moins 35. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On va faire un feu. On va faire un feu. Quand on intérieur. Donc c'est considéré comme un intérieur. Là on peut par contre. Que je dois bien faire un feu et pouvoir me mettre à l'intérieur en fait. Tu vois? Hop, là c'est l'intérieur. Bon, peut-être pas après. Peut-être pas après devant la porte, mais. Ok. Faire un feu comme ça. Ok, ça marche. C'est un peu bizarre l'endroit comme ils ont. Comme ils l'ont séparé en fait. C'est un peu débile, mais bon. Enfin, ils ont toujours fait comme ça, c'est très très abrupt en fait. Très bien. On va faire un peu d'eau. Si jamais ça se calme, on va peut-être partir de nuit, hein, tout simplement. Peut-être partir de nuit. J'ai pensé à ça. Proche de la porte, mais ça va. Ouais, là, on est à l'intérieur, ça va. Onze minutes. Voilà, très bien. Mm-hmm.
5. En théorie, on devrait avoir plus à chaque fois pour le feu, parce qu'il est en extérieur, là. Il est considéré en extérieur. Je crois bien. Encore 48. Ça, ça donne pas d'eau, par contre. Je pensais. Je crois que ça s'est calmé. Pas très sûr en fait. Ça a pas l'air de bouger. Ah yes, ça s'est calmé. Ok, cool. On va partir. Ah oui, on m'a dit qu'on pouvait prendre la torche sur les cordes aussi. Je savais pas. Alors, hop, eau potable. Et... Ok, nickel. C'est parti. J'aurais dû faire 2 thé en fait. Parce que là, du coup, celui-là qui est dans mon inventaire, il va refroidir. C'est pas grave. Eh ben. Bah, au moins, il fera bien jour. Là, on a très peu d'heures de journée encore, mais au moins, c'est bien clair. Donc, ouais, on m'a dit qu'on pouvait prendre. La corde avec la torche. Honnêtement, je l'ai jamais fait. J'ai bien récupéré mon sac de couchage. Mais oui. Je l'ai jamais fait. Je trouve ça un peu bizarre. Je sais pas. Je me rappelle plus. Ah. Mais est-ce que la torche est allumée ? Si la torche était allumée, ça n'a aucun sens. On la met où, la torche, sur le dos? Ok. Je sais pas. Dans ma logique, il n'y a pas de... Non, c'est pas logique, ça. Ça, non. Très bizarre. Très, très bizarre. Je ne vois pas pourquoi on a la torche. Très étrange. Bon, on a des lapins. Je me demande si on a des trucs là. On va voir. Donc on peut monter et descendre les cordes avec la torche, quoi. Enfin, je savais même pas. Apparemment c'est pas nouveau hein, en plus. Hein. Apparemment c'est pas nouveau du tout. Mais ouais, dans ma logique, c'est pas un truc qu'on peut faire, quoi. Donc j'ai jamais testé. Il est étrange ce jeu des fois. Bon, apparemment il n'y a pas grand chose. Ça nous fait des champignons au moins. Ça, c'est bien. Il y a des lapins, on peut les faire cuire et tout. Est-ce qu'on va allumer d'autres torches? Ça c'est quoi? C'est une grotte? C'est juste un passage? Comment ça se passe? Ok, grotte. Ça doit sûrement être le passage. Alors, c'est là. Raccourci du cantonnier. Raccourci du cantonnier. Bah, on peut se mettre à l'abri ici en fait, il fait chaud.
peut se mettre à l'abri ici. On est à 32,88. Entend de l'eau. Oh, deux chemins. On sait que ça allait être un cul-de-sac. Ah, il y a un chemin hauteur. Ok. Bonnet. Du bois. On va être lourd. Oui, on va être lourd. Oh, il y a encore un chemin là. Ah. Ok. On est un peu trop lourd. Qu'on avance à la lumière déjà. Et après je vois pour baisser un peu notre poids. Ok, c'est par là. Peut-être qu'on n'a pas besoin de lumière en fait. Je crois que je vais devoir déposer un peu de charbon. Ou alors on fait... Ou alors on fait un feu ici, histoire de... histoire de chauffer des tisanes. Ouais, on va peut-être faire ça. Comme ça, on en aura de prête pour la sortie. Pour se balader. Par contre, je prends tous les... les charbons, mais je vais tous les mettre d'un côté. Pour pas qu'on soit trop lourd. Okay. Parce que ça va être la nuit, il risque de faire froid en fait. Très bien. Bon, ça c'est un peu bête qu'on ait perdu genre quasiment une journée entière. Come on, little fire. Mais bon. Perfect. Ok, très bien. Ça me paraît pas mal. Attendez, on en a combien de réserves? J'en ai... Ok, ça marche. On va en faire un. Et on va en faire un nouveau. Enfin, un vieux et un nouveau. Chauffé. Voilà. 9. Très bien. Ouh, belle torche. On a combien? 33, 63. Très bien. Ça se passe très bien pour le moment. J'espère que ça va continuer. On va laisser les canettes là, on va le laisser. Okay, très bien, let's go. On les laisse ici. Voilà, réchauffement, une torche, très bien. Embranchement du lointain. Embranchement du lointain. Encore? Oh, on n'a pas fini en fait. Ah, ça y est, on est à...
au rail en fait. Donc si je regarde la carte, genre je dirais là peut-être, on descend et on suit le... De toute façon on n'a pas trop le choix. C'est ou droite ou gauche, bah apparemment c'était le mauvais sens, là il n'y a rien du tout. Ah, peut-être qu'on peut monter. Faut suivre les rails d'un côté ou d'un autre. Rail effondré. Okay. Ah, ok, on est de retour ici, ça marche. Oh, on a fait tout ça pour venir là. Oh là là. Incroyable, incroyable. On a fait tout le tour juste pour passer par là, quoi. Pour passer l'effondrement, en fait. Eh ben putain. Impressionnant. Ah. Bon, au moins, on sait que si jamais on est dans la merde, on revient ici. On passe le bois. L'arbre et tout ça, et puis hop, on est tranquille. Donc ça c'est bien. Est-ce que je continue à allumer une torche, moi ? Je sais pas trop. On peut encore en faire une. Très bien, je vais juste boire. Ça va, maintenant c'est 120. On a encore un peu d'eau. Ouais, 1 litre 60, 10, ça va. Réchauffement, parfait. Ah, le jour où il rajoute le thermos, ça sera bien. Hein. C'est quoi ce bruit? Gouffre d'acier. À la limite, j'aurais peut-être dû prendre... Le Vaïda. J'aurais peut-être dû prendre une bombe de peinture. Ça m'a fait un peu peur, j'avoue. Par contre, il m'embête en fait. Ah, il m'embête un peu. T'es sérieux là? Ah, il a eu peur de la torche. On peut se mettre ici. Wow, ok. Ok, il a eu peur de la torche, j'y pensais pas à ça. C'est reparti. Est-ce que c'est le même? C'est ça la question.
tout. Au moins, on peut se protéger du vent et tout ici. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est quoi, ça? C'est encore des rails? Ah oui, d'accord. Ok, ça marche. Faudrait nous protéger du vent, en fait. Bon, on va suivre ces rails-là. Par contre, on a donc un lapin sur nous. Donc ça, c'est un peu embêtant. Mais ça nous fera un peu de nourriture. Par contre, avec le vent, c'est un peu un problème. Peut-être qu'on va devoir revenir ici pour aller pour dormir. Je sais pas. On n'est pas très fatigué, donc on peut avancer encore. Par contre, ce vent commence à vraiment m'énerver. Encore des lapins. On est à combien? 35-80. C'est bon? C'est bon. Ah, le vent, ça, c'est un truc qui m'énerve. L'éboulement du transporteur. Ah, dis-moi qu'on a chaud là. Oh mon dieu, c'est grand. On a un peu. On a moins froid. On n'a pas chaud. Par contre. ouais, par contre. Ah c'est... Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi long hein, pour atteindre l'aéroport. Je pensais pas qu'il y avait autant de zones en fait. Bon après la bonne chose c'est que ça a l'air d'être des couloirs pour le moment. Ça a l'air d'être assez simple. Donc j'espère que ça va continuer jusqu'à l'aéroport comme ça. Genre pas que ça soit des zones super larges et tout, vous voyez ce que je veux dire? J'espère vraiment que ça continuera en ligne droite plus ou moins. Par contre, on commence à avoir froid. J'ai repris mes allumettes maintenant que j'y pense. Oui, oui, ça. J'ai eu un doute pendant un moment. Par contre, je sais pas comment... Enfin non, c'est con ce que je vais dire, mais... Non, c'est pour nous réchauffer, là, c'est embêtant. Je pense qu'on devrait faire un feu. Et... faire des tisanes. Chauffer des tisanes. Est-ce qu'on peut en faire ici? Oui, ici on peut faire, ok. C'est pas considéré comme en intérieur, c'est pour ça, donc ça va. C'est pour ça qu'il fait froid aussi. Si. C'est quoi ça? Ah non, ça va. Ah mais par contre, on voit... C'est noir dans ces tunnels, c'est fou. Quitter l'embranchement lointain. Alors. On est au col du transfert. Ah bah putain. Il y a combien? Moins 16. Ouais, non, là, c'est... On va se mettre là. Je crois qu'à l'intérieur, il faisait moins froid. Moins 4. Ok, très bien. Ah, attendez. Ouais, c'est là. Ok, ça marche.
Donc on va refaire le même système. Très bien. I'm not sure I can carry much more. En plus, on a récupéré du charbon. Ça, c'est bien, c'est parce que j'avoue qu'ils sont peut-être plus sympas maintenant. Parce que le charbon avant, c'était quand même vachement rare. Maintenant, il y en a un peu partout, hein, même à l'extérieur et tout. C'est... Enfin, après, c'est des endroits un peu précis, mais on va dire que ça va, quoi. Alors, charbon. Là, on a perdu toute cette vie déjà. Ah ben, ça va vite. Hein. Ça va très vite. On peut dormir ici, mais bon, je voudrais bien trouver un vrai bâtiment en fait. Le lapin, je crois qu'on va le laisser, hein. On n'en a pas vraiment besoin. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sort et on essaye de trouver un endroit. Parce que là, sinon, il faudrait revenir en arrière pour aller dans les grottes et tout. C'est super loin. Ou alors, on dort ici. Mais, enfin, dormir ici, c'est dangereux. S'il fait froid. Tu vois, un peu. Moins 5. Oui, non, mais ça fait pas 5 degrés, mon sac de couchage, moi. Ah. Ah, on va avancer un peu. Et on va voir. On va avancer un tout petit peu et on va voir. Au pire, on peut boire du café pour rester éveillé plus longtemps. Au pire, on peut faire ça. Très bien. Il faudrait trouver un vrai bâtiment en fait. Ah, il fait froid. Col du transfert, donc ça c'est nouveau. Donc on s'approche de l'aéroport. J'ai bientôt mes allumettes et tout. C'est... Toujours double check au cas où. Ah c'est périlleux quand même, hein. C'est long, hein. Encore heureux qu'on y va avec un peu d'équipement, parce que putain. Mais là, j'avoue qu'on passerait un meilleur moment si on est avec sac de couchage en peau d'ours. Parce que je crois que c'est 5 degrés plus. Quand on dort dedans. Donc c'est vachement bien. Je crois, hein. Je m'en rappelle plus vraiment, mais il est très chaud. Wagon délabré. C'est quoi ça? Encore du bois. Je dirais pas non pour de la nourriture, s'il vous plaît. Genre des calories. Je vais pas passer. Mais comme j'ai dit, je dirais pas non pour un bâtiment. Un vrai bâtiment. Là, on a un sac de couchage, on peut dormir où on veut. Mais dans un bâtiment, ce serait bien. Pas besoin d'un lit, quoi. C'est ça que je veux dire. On continue. Oh, il y a des loups en bas. Au fond, je crois.
bien. On continue à prendre plein de champignons là quand on se balade, ça fait des calories, ça fait de l'eau. C'est bien quoi. Ça nous permet de tenir alors qu'on ne tape pas dans les gros aliments. C'est vraiment bien. Je peux voir un loup en face sur les rails. Donc on bifurque sur le côté. On va prendre du petit bois aussi. C'est quoi ça? Non, c'est des troncs d'arbres. J'ai cru que tu me disais. Putain, on dirait un mix entre un loup et un ours. C'est quoi ce bordel? Genre vu la taille. Ah, il y a des poteaux électriques. Bon signe ça. Il y a des poteaux électriques. Il faudrait des jumelles. Ah, là il y a un château d'eau. Une réserve. Ah, c'est pas une maison ça? Que j'entends un truc. Merde, j'ai pas vu l'endroit, comment il s'appelait. Dépôt vide. Attends, d'abord je vais regarder là. Baril, 20 minutes. Putain, 20 minutes pour deux bois et un métal, c'est vachement bien ça par contre. Oh la vache! Bon, il faut une hache apparemment, et puis il n'y a que les haches qui fonctionnent. Ouais, non, mais ça c'est vachement bien. Niveau bois, temps, putain. Très très bon. Très très potable. On va fouiller les voitures, on va rentrer. La torche, pas la peine de la réallumer. On a la lampe. Un peu nuit à l'intérieur, mais c'est pas... Bon bah ça va, là on a trouvé un endroit sympa là. J'espère qu'il y aura un lit à l'intérieur, sinon un sac de couchage. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut un sac de couchage si on veut explorer. Mais j'avoue, ouais, encore une fois, c'est vraiment parce que, en fait, ça devient très chiant d'attendre et tout. Pour le séchage. Ah, mais c'est pas un intérieur. Ah si. Ah si, il fait chaud. Yes. Il écrit quoi? No more train. J'avoue que c'est chiant en fait d'attendre. Donc c'est pour ça que je suis parti maintenant, mais en théorie j'aurais attendu d'avoir du meilleur équipement. Nickel. Il y a du tissu aussi, très bien. Il me faudrait peut-être un peu de kérosène, à la limite, pour la lampe. Pour éviter de tomber à court. Mais après, on est très bien. On peut même faire du feu à l'intérieur. Nickel, nickel, nickel. L'intérieur est bien chaud. Ça va.
On peut pas dessiner, on est d'accord. Ouais, on peut pas. Ça c'est bien. L'intérieur est très bien. On peut dormir ici. Genre mettre notre matelas ici si on veut. On a... Désolé, je me suis coupé moi-même en milieu de phrase. Juste pour boire. on n'est pas encore... On est dans les 40 minutes, donc on peut encore continuer dans notre épisode. Ouais, on peut encore continuer notre épisode un tout petit peu. On va dormir, se balader un peu, parce que là, on est un peu... Comment dire un peu mélangé, jour-nuit, tout ça, la fatigue et tout. Le bonnet en coton, bonnet en laine, c'est mieux. Après, là, on a quoi? Des chaussettes de sport, c'est pas intéressant. 10 minutes, un tissu. On est en pleine nuit, donc je peux pas coudre. On peut tout simplement dormir, en fait. Alors ouais, on est quasiment en milieu de nuit. Elle est bien fatiguée. Ou alors, on peut regarder un peu à droite à gauche. Genre juste avant de dormir. Je voudrais bien que ça soit... genre minuit. Comme ça, on dort à minuit. Comme ça, on se réveille, il fait jour. Sympa, du charbon. Métal. Bon, c'est sympathique ici. Je me demande si on peut même pas vivre un petit moment. Parce que ça a l'air très potable en fait. Ça a l'air d'être très vivable. Bon, par contre, c'est vrai que on n'a rien croisé. Si, on a croisé quoi? Des lapins un peu plus loin, c'est tout. Je peux mettre du bois devant. Ou alors à l'extérieur. Le métal, on n'en a pas besoin. Waouh, on en a 7. Oh, putain. Voilà. Allez, on va dormir. Six heures. Ah, risque de l'enfermement. Super. Un peu froid. Ça c'est chiant, le risque de l'enfermement. Ouais, mal de l'enfermement. S'il fait pas chaud à l'extérieur, je peux pas dormir vraiment à l'extérieur. Faudrait que je fasse un feu pour dormir quelques heures à l'extérieur. Après, on a beaucoup de bois, donc à la limite, on peut. Fait combien là, dans une voiture? Moins 14. Si je fais ça. Plus 4, 4. Ah, mais ça doit être beaucoup plus. Ça doit peut-être être 10 degrés. Celui en peau d'ours.
Donc 14, c'est la 19. On peut peut-être dormir dans une voiture avec sac de couchage et on fait un feu à côté. J'ai déjà fait ça plusieurs fois, c'est pas mal. Ça peut être pas mal comme système. Ouais, on peut faire ça. C'est pas mal parce que ça nous fait double chaleur en fait, de la voiture plus du sac de couchage. Comme ça, j'aurai pas le problème avec le mal de l'enfermement, parce que le mal de l'enfermement, ça va nous foutre dans la merde. Et puis là, il nous manque quelques heures, c'est tout, il nous manque pas beaucoup, donc autant dormir genre 3 ou 4 heures à l'extérieur. Ça m'a l'air pas mal. S'il y a encore du feu, on va faire des tisanes. Ah, très bien. Hop. 38 degrés. Okay. On va dormir 3 heures. 3. Nickel. J'ai toujours le mal de l'enfermement. Ouais, mais un peu moins. Ah, le feu il dure longtemps, j'ai même un peu abusé en fait sur le temps. On va continuer, hein, mais je sais pas par où. Ça m'inquiète un peu de pas savoir où aller, en fait, c'est juste ça le problème. On va continuer là-bas. Hein. De toute façon, il n'y a pas d'autre endroit pour le moment. Ah tiens, on peut monter dans cette maison ou c'est tout fermé? Ça, c'est pour charger en charbon ou des trucs comme ça, je crois. Je vais voir, je vais essayer de monter et voir si on peut faire quelque chose. Je vérifie. On est bon. Ah, ça m'inquiète un peu parce que nouvelle zone, on connaît pas. Mais après, il a l'air d'avoir. Bon, lapin, c'est très bien. Il a l'air d'avoir des bons endroits où vous pouvez rester plus ou moins safe, j'ai envie de dire. Ça devrait aller.
Ah putain, je suis bloqué. Ah, on peut... What? Ah, ok. Ah, j'ai cru que c'était un... Oh, ça tue! Il y a strictement rien, en fait. Putain, ça a l'air... Ça a l'air d'être un endroit méga secret et tout ça, il y a strictement rien, rien à tirer, quoi. Il y a rien à tirer, c'est bête. Elle est où la torche? Je sais pas où elle est la torche. Bon, par contre, on peut pas descendre en fait, à moins de sauter. Donc on va passer par là. Les portes, elles se ferment automatiquement. Des fantômes. Bon, mais un peu déçu. Je me suis dit, waouh, on a un truc secret et tout ça, mais non, en fait, c'est bof. Bon, par contre, là, il y a l'impression d'avoir un passage, et là aussi. Donc, va falloir choisir où aller. Nos calories commencent à descendre petit à petit aussi. Alors, j'ai vu qu'on a des lapins, c'est pas vraiment... pas vraiment la meilleure des choses pour manger, mais... Là, on a des massettes, c'est bien. On va voir là-bas. Enfin, quoique, après, faut pas suivre les rails si on regarde la... Ah, mais ça doit être un cul-de-sac, en fait. Enfin, si on regarde les rails, ils sont... Ils mènent pas, en fait, à l'aéroport. Il faut les franchir. Mais bon, il est où le passage, quoi? Est-ce que c'est par là-bas? Est-ce que là on va quelque part? Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout où on va. C'est quoi ça? C'est un passage ou c'est que dalle? Non, ça doit être rien du tout. Non, ça sert à rien. Non, mais je pense que c'est sur la droite, hein. Ce qu'on devrait faire peut-être c'est prendre les lapins, mais... mais du coup ça voudrait dire qu'on va devoir s'arrêter pour refaire un feu. Pour la viande. Peut-être qu'on devrait honnêtement. Bah, vous savez quoi? Je crois qu'on va faire ça. On va prendre les deux lapins là que j'ai vus. On va les faire cuire. On va manger la viande des lapins. Et après, on va mettre fin à notre épisode. Si j'arrive à les chasser. Jouer. I wonder if I can drop any of this gear. Il me manque une flèche, non? Je vais tirer combien de fois? Deux fois? Trois fois? Jesus, non, on est bon, hein? Je
Je me rappelle plus. Je devrais faire plus attention. Oui, on est bon. On n'a toujours pas atteint l'aéroport, on est déjà à 10 flèches. C'est vrai que j'en avais pris quelques-unes de plus, hein, et pas que 10. Faire du feu. On peut revenir près des voitures pour faire du feu, à la limite, j'ai envie de dire. Ou à moins qu'il y ait une grotte pas loin, ce serait bien. Ouais, je pense que ça doit être par là-bas, en fait, le chemin. Genre là-bas, non? J'en sais rien du tout. Ah, mais ils ont toujours notre feu en plus. Let's go, let's go. Waouh, il y a des graffitis au Canada. Ça, je suis étonné. On aurait dû prendre des fûts de flèche, hein. Alors, nos lapins. Très bien. Ça nous fera un peu tenir un peu plus longtemps. Et les lapins en eux-mêmes, on n'en a pas besoin, honnêtement. Okay. Ouais, les lapins en eux-mêmes, on n'en a pas besoin. C'est pour réparer nos moufles ou la chapka et tout ça, mais pas vraiment besoin pour le moment. 80%, 98%, pardon, 86%. Enfin, après, on peut, mais on va pas rester là, donc. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Alors, donc du coup, on va s'arrêter là. Je pense. Enfin ouais, mais le problème c'est que j'ai pas vraiment envie de dormir, mais il faut que je sauvegarde. Alors, on va peut-être continuer un tout petit peu. On va voir. Là, on en met du temps pour y accéder à cet aéroport. J'espère que ça va être bien là-bas, parce que... Oh la vache. Je regrette même d'être parti, quoi, pour le moment. Jamais on a besoin de revenir ici. On va faire ça. Ok. On est reparti. On peut monter par là. Ouais. Par contre, j'ai tout. Moi je dirais là-bas. On va voir. De toute façon, il n'y a pas d'autre chemin. Hein. Ah si, là-bas. J'en sais rien en fait.
C'est strictement rien. Pour le moment, on visite. Si jamais on est dans la merde, on revient à notre camp. La chose qui va nous manquer, ça serait les calories. Mais bon, après, on a quand même des réserves de massettes. Je sais qu'il reste encore des massettes à récupérer. On a pas mal de champignons sur nous, donc ça va. Après, on peut revenir vraiment un peu plus loin. Et du coup, on aurait... du loup, mais bon, j'ai pas envie de manger du loup parce que c'est dangereux. Pas grand chose. Donc ouais, pour le moment, ça va. On n'a pas vraiment de problème, mais ça peut vite venir. Donc c'est pour ça que je voudrais bien quand même arriver à un moment. À l'aéroport, et puis voilà quoi, parce que là ça devient un peu long. Ça devient quand même très long. Le problème, ça va être pour revenir en fait. Une chose que j'espère, c'est à l'aéroport. Qu'on trouve des cerfs, hein, honnêtement. J'espère vraiment qu'on va trouver des cerfs parce que. Parce que ça va être embêtant pour des calories. Après, on peut toujours s'affamer, mais parce que là, on est en voyage. Donc, 72 heures et tout ça pour avoir le bonus de 5%, de 5 kilos. Tiens, on arrive à une nouvelle zone. 5 kilos. Et mais là, du coup, après, on pourra s'affamer si on reste sur place. Oh, ça y est, aérodrome abandonné. Par contre, j'ai pas de... Okay. Ok. Ça y est, on y est. Mais ouais, une fois qu'on sera sur place, on pourra se reaffamer si on trouve un endroit bien où est-ce qu'on peut se mettre à l'abri et tout ça. Du coup, on économise sur les calories. Hein ? On fait comme d'habitude, quoi. Donc là on pourra, mais sur le chemin, c'est vrai que d'avoir le bonus de 5 kilos, c'est vachement bien. Donc je voudrais pas les perdre. Donc sur la carte, il y avait l'air d'avoir une peut-être une rivière, donc je pense que c'est ça. Ok, on a des lapins encore. Peut-être un lac, je sais plus exactement. On va continuer à avancer, je regarderai la carte plus tard. Et après, on a l'aéroport. Donc, on est dans la région, mais on n'y est pas encore. Ce serait bien qu'on trouve un endroit où se mettre à l'abri avant de... Avant tout ça, quoi. Okay. Ici, c'est pas mal, déjà. Ici c'est pas mal, je voudrais bien trouver un bâtiment, comme ça on met fin à notre épisode. Ça serait vraiment un truc qui me plairait aussi. Tant que je peux pas sauvegarder, c'est relou. Ça pourrait être dessiné aussi, mais il fait froid, donc on va pas perdre de temps. Ah, on a plus de réchauffement. Je peux toujours faire un feu au cas où. On va peut-être faire un feu même pour éviter d'avoir le problème de froid. Ouais. On va faire un feu maintenant. Comme ça m'évite de changer de torche. Come on, little fire. Come on. Allez.
Juste un petit feu, ouais, truc pas gros, juste histoire de se faire des thés là, et après on avance. Did I say I hate being cold? 'Cause I really do. Ok, très bien. Alors, hop. Très bien. Positif, c'est bien. J'en ai combien de réserves? J'en ai un, moi j'en ai deux et deux. Ça va. On a encore 9, 5, et puis en plus je peux encore en crafter encore. Donc ça va. J'aurais dû peut-être en boire deux et en refaire deux. Parce qu'on n'est pas. On n'est pas complètement au chaud en fait. J'ai pris mes deux cannes. Oui. Oh là là, j'espère que sur le chemin pour l'aéroport, parce qu'on doit être super loin de l'aéroport, je suis sûr et certain, comme d'habitude. J'espère qu'il y aura quand même des petites maisonnettes, un mobile home ou une connerie. Hein, parce que. Parce que là, ça fait quand même un long moment qu'on n'a rien vu hein, en tant que maison. C'est un peu abusé. De la hauteur. Oh là là. C'est sérieux là? Mais dis-moi, ça a l'air fun. Il faut pas tomber apparemment. Je pensais qu'on allait avoir une corde ou un truc comme ça, mais en fait non. Bon, allez, faut se dépêcher parce que là, ça commence à être un peu lourd. Ça a l'air d'être méga désert. Ça a l'air d'être désertique. Hein. Bon quoi. À la limite, s'il n'y a pas de bâtiment, c'est des grottes. On va y trouver des grottes. Je sais qu'on avance plus vite, mais là je suis pas protégé du vent. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah, mais je croyais que c'était creux. Je croyais que c'était une pierre creuse, monsieur. C'est quoi ça? On aurait dit un renfoncement parce que c'était plus sombre. Mais c'est quoi ça? Genre une coquille. Ok, grotte. J'ai vu que le chemin est continué là-bas. Bon, bah du coup, on peut peut-être s'arrêter là. Il y a un lit. Par contre, le lit, je crois qu'il est exposé au vent, non? À l'extérieur, oui, là, peut-être. Ok, là, ça doit être bon. Ok, on va dormir une heure. On va dormir une heure et on continuera la prochaine fois. Mais ouais, ça devient un peu dangereux. J'espère que ça va bien se passer. Ouais, je vais juste dormir une heure pour ce... pour qu'on sauvegarde et la prochaine fois on continuera notre périple ici et avec de la chance on atteindra l'aéroport avant que je meure d'ennui sur la route. À la prochaine, ciao.